à toutes et à tous. Et oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur Escape from Tarkov parce que je trouvais plus vraiment d'intérêt à y jouer puisqu'on retourne très vite en rond. Là, ça a été wipe hier, donc le 28 mai 2020, avec plus de corrections que de contenu. Mais bon, c'est pas grave, je comprends pas trop leur logique, mais on va quand même s'y faire. Donc, je voulais faire une petite vidéo d'une première game. Voilà, c'est vraiment tout frais là. J'ai juste mis mes petits médics là pour montrer un peu comment ça se passe une première game pour ceux qui viennent de lancer le jeu. Donc pas de cut, hein, je vais vraiment vous montrer une game totale. On va s'équiper en termes de munitions. Donc là, normalement, je sais pas si. Moi, j'ai la plus grosse version du jeu. Je sais pas si vous avez pareil. Enfin, ceux qui ont la plus petite ou la moyenne. Je sais pas s'il y a pareil. Après, je sais qu'il y a des cadeaux à aller chercher sur le site. Moi, pour l'instant, je me contente de ça. Donc, je vais prendre un ça. Je vais me faire plaisir. Tac. Part avec ça. Je sais pas si je peux modder. Je sais pas si je peux modder ce truc-là. Je m'y connais pas énormément en mode. Hein. Pourtant, j'ai plusieurs centaines d'heures, voire un petit millier d'heures sur Tarkov. Mais bon, bah, on va partir ça comme ça déjà, c'est pas mal. Donc, on va se faire un petit Tarkov, tac. PMC. On va se faire un custom. Même si je pense que tout le monde va se foutre sur la gueule là-bas. Tac. Tac, j'assure mon stuff. Je sais pas si j'ai assez d'argent pour ça. 12 000, tac. Si vous entendez mon chien, c'est normal. Hein. Il est un peu excité en ce moment. Voilà. Donc, on va vous montrer une game. Une première game, c'est ça, pour ceux qui lancent. Voilà, je vous conseille de commencer par Custom. C'est un peu la référence comme Dest 2 sur Counter-Strike, pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Nous revoilà en game, déjà allongé en fufu dans les buissons. Donc vraiment c'est une toute première game que je fais après wipe. Je vais donc essayer de vous montrer quelque chose d'intéressant. Donc ça va être plutôt une vidéo pour ceux qui commencent le jeu parce que je sais qu'il y a eu une grosse hype du jeu il n'y a pas longtemps. Oula, j'en ai pris une. Et moi j'en ai pris une. Donc là j'ai pas la clé pour ouvrir ici. Ah, je me fais tirer par le snipe. Ils l'ont mis là-haut. Ok, pourquoi il tire pas? D'accord, mon personnage tire pas. Refus de tirer de mon personnage. Alors, je ne me dis pas qu'ils ont enlevé des touches. C'est débile. D'accord, ils ont enlevé la touche. Ok. Intelligent, Tarkov. Intelligent. Oh putain, je l'ai eu. Je l'ai eu, mais je m'en suis pris une. Ah d'accord que j'en entendais rien ici. Hein. Débile. 10 000 balles, il en prend pas vu, il n'en prend pas une. Les armes ne touchent pas. Comme d'habitude, ils sont fidèles toujours à eux-mêmes. Ah, il avait une armure aussi. Peut-être ça qui fait la différence. Tac. Ouais, mais fatigué, mais. Il tire d'où lui? Ah, bah, elle est bonne celle-là. Il tire d'où? D'accord. Ok. Bon bah on va PVP un petit coup. Il est où?
Si je me prends dans la tête. Après les jambes, je retrouve. Là, il y en a un là. Juste là, là. Il y a eu du mort là aussi. Attention, ils doivent pas être loin. Tac. Mal à reprendre son énergie. Hein. Je lui ai mis tellement de balles dans la tête. Alors soit les dispersions sont énormes. Une calage quand tu tires ta première balle. C'est pas... Hein. Voilà. Donc c'était une toute petite vidéo de retour sur Tarkov, doucement mais sûrement. Je rappelle que cette mise à jour n'apporte absolument aucun gros contenu, à part la nouvelle capacité audio, le Steam Audio, mais à part ça, voilà. Donc, vous pouvez me retrouver beaucoup sur Twitch maintenant, sur YouTube toujours, abonnez-vous à la chaîne, un petit pouce bleu, un commentaire, très important, partagez, je compte sur vous, c'est très très important. On va vite fait faire un petit point sur ce que j'ai ramassé. Donc voilà, j'ai tué 6 caves. Alors, tac, j'ai utilisé 63 balles. J'ai touché 16 fois. 6 fatal hit, bien sûr. Headshot 3. Longest strike 1. Voilà. Donc rien de fou. Voilà, donc je passe niveau 3. Je passe de niveau 1 à niveau 3. Donc mon bras droit, il a pris cher sa grand-mère. Là, c'est quoi ça? On peut appliquer, on peut le soigner. D'accord, c'est bon, c'est fait. Et en termes de stuff, je vais vous dire rapidement, pour ceux qui sont nouveaux, si c'est du stuff un peu rare, des trucs bien que j'ai ramassé, mais globalement, le fuel c'est pas trop mal, si je me souviens bien. Il y a un petit médicament qui coule aussi que j'ai ramassé. Si le chargement accepte de me montrer mon personnage, parce que pareil, les chargements prennent 25 ans sur ce jeu, comme d'habitude. Donc, une AK S74, c'est pas mal pour commencer.